الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد Mes frères, dans cette troisième journée du mois de Dhul-Hijjah 1443, c'est-à-dire le 2 juillet 2022, nous nous réunissons pour notre 32e cours dans lequel nous étudions ensemble les fondements de l'exégèse Usul al-Tafsir avec comme support le livre de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Il nous reste quelques chapitres qui sont en vrai des abouab dans le balagh. Ce qu'on va voir là, c'est des chapitres qui sont traités en général dans un domaine spécifique à la langue arabe qu'on appelle le balagh. En gros, c'est l'art de parler avec maîtrise et excellence. Donc c'est pour ça qu'il va peut-être paraître un peu compliqué pour certains d'entre vous qui n'ont pas de... Comment dirais-je qui n'ont pas de lien avec cette matière-là, le balagh. Et c'est aussi pour ça qu'on va passer dessus assez rapidement. On va pas s'étaler dans les détails. Et on va, Inch'Allah, finir le livre aujourd'hui, même s'il reste un peu de lecture. Mais je vais me contenter de traduire et d'expliquer brièvement, sans rentrer dans le détail, parce que comme je vous l'ai dit, ce sont des domaines, s'ils n'ont pas été étudiés dans le balagh, et s'il n'y a pas un niveau d'arabe suffisant, ils pourront paraître pour la plupart assez incompréhensibles. Mais il y a dedans des règles qui nous permettent de mieux comprendre le Coran, et notamment savoir comment se comporter face à une difficulté de compréhension. Samina. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bab al-damir. Qala al-musannif rahimahullah. الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. حسبك. الضمير en français c'est le pronom. Ça c'est la traduction. لغة en arabe الضمير ça vient de Ad-Dumur. Et Ad-Dumur, bima'na al-huzal. Wa al-huzal huwa al-da'fu wa al-nahafa. Quand tu dis quand tu parles, tu emploies le mot huzal, ça fait référence à quelque chose de faible ou de maigre. D'ailleurs, dans Uyub al-Udhiya, dans les défauts de la bête qu'on va sacrifier, qui ne la rendront pas valide pour le sacrifice, al-huzal. Et Al-Huzal, c'est la bête qui n'a pas de moelle osseuse. Et comment tu fais pour reconnaître, toi, un animal qui n'a pas de moelle dans l'os? Tu n'as pas des yeux rayon X? Tu ne peux pas emmener ton mouton en scanner pour savoir s'il a de... Non, en fait, ce sont des animaux, tu les vois, quand ils sont debout, ils ont les membres qui tremblent. Parce que les os, ils sont creux. Et ils sont faibles. Ce sont des animaux qui sont faibles. Et donc... À la base, Ad-Dumur, ça fait référence à l'Huzal. C'est la faiblesse ou la maigreur. Ça peut aussi être tiré de Al-Idmar, qui veut dire Al-Ikhfa. Yarhamukallah. T'as lu là, non? Ah, ben, pardon. Bon, Yarhamukallah quand même. Al-Idmar, qui veut dire le fait d'être caché. Les kathratis titarihi, quelque chose qui se cache beaucoup, on va l'appeler. On va dire de son accent, Al-Idmar. D'ailleurs, même dans l'Arabe, on a le Mudmar. Le Mudmar, c'est ce qui est caché. On fait l'istilah, et dans la terminologie propre à l'exégèse, ou même en arabe, hein, ma kunniya bihi ani dhahiri ikhtisara. C'est ce qui va servir à désigner le nom dans un but de réduction, de résumé. Donc, on a le nom, Al-Ism, qu'on appellera en arabe al-ismu al-zahir, le nom apparent. Et on a al-damir, le pronom. Et al-ismu al-zahir, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'il est toujours apparent, le nom. Contrairement au damir, qui peut être apparent et qui peut être caché. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça en arabe.
Et Ad-Damir, donc, c'est le pronom. Donc, comme on vient de le voir, en français, on connaît les pronoms personnels. Je suis il, nous, vous, il. En arabe, c'est pareil. On a ana, anta, il, akhiri. Et en arabe, les pronoms sont beaucoup plus développés qu'en français. Parce qu'en fait, on aura des pronoms différents en fonction de leur place dans la phrase, en fonction de leur fonction grammaticale. On aura Damir al-Rafa, Damir al-Nasb. On aura aussi le pronom qui sera collé au nom ou au verbe et le pronom qui sera séparé, al-Muttasil, al-Munfasil. Puis on a al-Zahir et al-Mudmar. Et on a celui qui est visible et celui qui est caché. Donc il y a beaucoup de catégories de pronoms en arabe. Et ces pronoms-là, à quoi ils servent ? À résumer. Ils servent à résumer la phrase, à la réduire. Plutôt que de répéter le nom apparent, on va se servir d'un pronom pour résumer la phrase et donc qu'elle soit moins longue. C'est comme par exemple dans le verset où Allah Ta'ala dit « Inna al-muslimina wal-muslimati wal-mu'minina wal-mu'minati wal-qanitina wal-qanitat » il a akhir l'aya. Ici, 10 catégories de vertus. 10. À la fin, il dit subhanahu wa ta'ala « Ulaika lahum maghfiratun ulaika a'tadna lahum maghfiratun wa ajran 'azima » A'adda Allahu lahum maghfiratun wa ajran 'azima » Il a dit « Lahum » Allah leur a préparé à eux. « Lahum » c'est le pronom. Et le pronom ici, qu'est-ce qui remplace ? Tous les noms cités précédemment. Donc plutôt que de dire « A'adda Allahu lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati l'akhirihi » il a dit « Lahum ». Donc l'emploi du pronom ici aura pour but de résumer ce qui a été dit, ce à quoi le pronom revient. Parmi les définitions dans l'istilah du damir, « Ma dalla ala hudur aw ghaiba » c'est un terme qui indiquera soit une présence, soit une absence. Parce qu'on verra que dans les pronoms, justement, on a les prénoms du présent, pas le temps de celui qui est concerné par l'information dans la phrase. Donc il y a le pronom du locuteur, al-mutakallim, il est présent. Quand tu vas dire « je », c'est pas possible que celui qui dit « je », il n'est pas là. El-Mukhatab, l'interlocuteur, celui à qui on s'adresse. Quand je veux dire tu ou vous, forcément, celui à qui m'adresse, il est là. Et on a Al-Ra'ib, l'absent. Huwa, hiya, hum, huma, ilakhirihi. Ils ne sont pas là. Donc le pronom indiquera soit quelqu'un d'absent, soit quelqu'un de présent. C'est encore une des catégories du pronom, que ce soit en arabe ou en français. La min maddatihima. Par contre, ces pronoms-là ne seront pas formés avec la matière du hudur et du ra'ib. Yani, on n'aura pas un ha, un dad et un ra dans le pronom du présent. On n'aura pas un ra'in, un alif et un ba dans le pronom de l'absent. C'est-à-dire que les lettres qui composeront le pronom ne seront pas les lettres qui composeront le présent ou l'absent. Voilà. Naam. قال المصنف رحمه الله فالدال على الحضور نوعان أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله الثاني ما وضع للمخاطب مثل صراط الذين أنعمت عليهم وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه والدال على الغائب ما وضع للغائب Hasbouk. Donc là, l'auteur, il nous parle de ce qu'on vient de dire, de la classification des pronoms en présent et en absent. Donc, le pronom qui indiquera la présence de quelqu'un se divise en deux catégories. Celui qui sera utilisé pour le locuteur, celui qui parle, comme les versets donnés comme exemple, « Wa ufawwidu amri ila Allah » Le pronom ici, c'est le « ya ». « Amri », je remets mon affaire à Allah. Donc le « ya » dans « Amri », il indique la personne qui parle, le locuteur. Et dans la deuxième catégorie, pardon, c'est le pronom qui va indiquer l'interlocuteur, celui à qui on s'adresse. Comme dans le verset « Sirat al-lazina » An'amta alayhim.
le chemin de ce que tu as comblé de tes bienfaits. An'amta, ça doit être dans an'amta. Donc, le ya dans amri et le ta dans an'amta sont des pronoms qui indiquent quelqu'un de présent. Que ce soit celui qui parle. Il n'a pas démarré ? Bon, ben. C'est un problème personnel, quelqu'un a dit ça. Ben voilà. Ben, ça marche chez les autres. C'est moi ou c'est pas moi ? Je me vois. Ah, c'était dans le groupe Telegram ? Non, WhatsApp. Ah, WhatsApp. D'accord. Non, tranquille. Qu'est-ce que je disais ? Oui, voilà. Non. Donc, il y a le premier type de pronom, c'est celui qui indique quelqu'un de présent. Et comme il indique quelqu'un de présent, il n'a pas besoin d'un élément auquel il sera rattaché. Parce qu'il est présent. Il indique quelqu'un de présent, que ce soit celui qui parle ou celui, qui ne, celui à qui on s'adresse. وَهَذَانِ لَا يَحْتَاجَانِ إِلَى مَرْجِعِ اكْتِفَاءً بِدِلَالَةِ الْحُضُورِ عَنْ. Le fait que le pronom indique la présence de celui qui parle ou à qui on parle, le dispense d'avoir besoin d'un élément auquel il sera rattaché. Contrairement au pronom qui va lui indiquer quelqu'un d'absent, il aura besoin d'un élément auquel se rattacher. D'accord ? La budda lahu min marji'in ya'udu alayh. Et c'est ça, c'est à ça qu'on veut arriver ici en fait. Le bab du damir, donc toute cette introduction qu'on vient de donner, avec ce rappel de ces certaines règles, il va nous amener à ça. Le ra'ib. Quand je vais lire le Coran et que je vais voir un pronom qui indique quelqu'un d'absent, comment savoir à quoi il est rattaché et à qui il fait référence? C'est les règles qui vont nous être données ici pour justement savoir cela. Tfadal. قال المصنف رحمه الله والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى مثل ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه نعم وقد يكون مفهوما وقد وقد يكون أي نعم وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى وقد يسبق لفظا لا رتبة مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه وقد يسبق رتبة لا لفظ مثل حمل كتاب الطالب حمل كتابه الطالب نعم وقد يكون مفهوما من السياق مثل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك المفهوم فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك وقد لا يطابق ضمير معنى مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. حسبك. Donc là on va s'intéresser au damir qui indique l'absent, qui désigne l'absent. Première qaïda que l'auteur donne, rahimahullah, c'est que le marji', donc la référence auquel le pronom sera rattaché, le précède. An yakun al marji' sabiqal ala dhamir. Donc ce pronom-là, qui désignera quelqu'un d'absent, soit rattaché à une référence qui le précède. C'est la base. Et ça, c'est une qaïda aussi. Quand tu as wal asl, fi kada kada, c'est qu'il y a des istithna'at. C'est qu'il y aura des exceptions. Et la qa'ida dit al-istithna'u mi'yar al-umum. Comme on dit en français, l'exception qui confirme la règle. Et le pronom ici, il sera après
son marji, sa référence, fi amrain. Al-rutba ou al-lafd. Ou plutôt al-lafd ou al-rutba. Al-lafd, c'est dans la. Comment on pourrait traduire ça? Dans l'expression. Et al-rutba, dans la place, dans sa place dans la phrase. Donc dans la phrase, que ce soit une phrase nominale ou une phrase verbale, on a des composants. Et ces composants, ils viennent dans un ordre précis. Cet ordre-là peut être chamboulé. Mais il y a toujours une base de cet ordre-là. D'accord ? Phrase nominale, mubtada, khabar. Phrase verbale, fi'l, fa'il, maf'oul. Donc la place du damir dans les composants de la verbe, de la phrase, pardon, viendra toujours après le marji'. Et dans l'ordre aussi. C'est-à-dire dans la forme du pronom. Dans la forme du pronom dans la phrase. On va voir des exemples. Vous allez comprendre de façon plus claire. Et aussi, le damir, il va s'accorder en genre et en nombre. Mutabiqan. Il sera en accord avec celui à qui il revient, lafdan wa rutbatan, dans la forme et dans la place, dans sa place dans la phrase. Exemple, وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ. Et Nuh a interpellé son Seigneur, a appelé son Seigneur. Donc ici, le damir, c'est le ha dans Rabbahu. Et ce damir-là, il revient à Nuh. Donc Nuh est avant le ha dans Rabbahu. Et donc le ha, il est après, dans l'ordre, dans la phrase, et dans rutba, dans la place du mot dans la phrase, il vient à sa place, c'est-à-dire c'est le mudaf ilayhi du maf'oulun bihi. Wanada nuhun rabbahu. Donc ça c'est un exemple de phrase verbale classique, un verbe, un sujet, un complément, et le damir vient après sa référence dans la phrase et dans la place qui lui revient dans la phrase. Je dis, hein, s'il n'y a pas un minimum de règles linguistiques, vous n'allez pas forcément en suivre. وَقَدْ يَكُنُ مَفْهُومًا مِنْ مَادَّةِ الْفِعْلِ السَّابِقِ. Dans certains cas, le marji', la référence, va être sous-entendue, dans la forme du verbe, sans être forcément exprimé clairement. Exemple, اِعْدِلُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Soyez juste. Cela est plus proche de la piété. Le huwa ici, il revient au damir. Il ne revient pas au damir. Il ne revient, revient pas au verbe, pardon. Parce que le verbe, il ne rentre pas dans les références auxquelles le pronom reviendrait. Est-ce qu'il revient au pronom du verbe ? I'idilou, vous, non plus, parce qu'il a dit huwa. Qu'est-ce qui reste alors ? Il reste le sens du verbe, qui est l'adl. I'idilou. Soyez juste, donc il revient au sens du verbe qui est l'adl, donc la justice, l'équité, et c'est donc au sens du verbe que le pronom y revient. Donc il est compris, comme il a dit, dans la forme du verbe, ou dans son sens, pas dans le verbe lui-même. D'accord ? Donc là, si quelqu'un te demande, il te donne ce verset comme exemple, et il te dit, à quoi le pronom y revient ici ? À quoi il est rattaché ? Tu ne pourras pas dire le verbe. Parce qu'un pronom ne revient pas à un verbe. Tu ne pourras pas dire le sujet du verbe qui est le waou ici. Waou al-jam'a. Parce qu'il a dit huwa. Donc qu'est-ce qui reste ? Il reste le sens du verbe. وَقَدْ يَسْبِقُ لَفْضًا وَلَا رُتْبَةً. Donc dans la phrase, il est possible que le pronom soit avant celui à qui il revient. Mais dans la forme de la phrase, mais pas dans la place des composants de la phrase. Donc je répète, rutba, c'est la place du composant de la phrase. Phrase nominale, mubtada khabar, l'ordre de base. Phrase verbale, fi'l, fa'il, maf'oul. Ordre de base, rutba. C'est de cet ordre-là qu'il faut respecter à la base. Mais on peut le chambouler comme on l'a dit. Après, l'ordre, c'est la forme de la phrase. On prend l'exemple donné. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. D'accord ? Le ha dans Rabbu. Ici, il dit يَسْبِقُ لَفْضًا
la rutbatan. Donc là, on parle du damir qui va venir avant son marji'. Il peut le précéder dans le lafd, dans la forme, pas dans la rutba, pas dans la, la place de la, donc, qui lui revient dans la phrase. Wa idhi btala Ibrahima rabbuhu. Donc si on traduisait littéralement, ça ferait et lorsque ton Seigneur, son Seigneur a éprouvé Ibrahim. Même en français, ça ne le fait pas. Donc ici, on a deux damir ici. On a un damir. Rabbuhu. Le damir ici, il revient à Ibrahim. Et là, ici, le fa'il, il vient après le maf'oul. Donc, وَقَدْ يَسْبِقُ لَفْظًا لَا رُتْبَةً. Donc, les parties de la phrase ont été inversées. Les composantes de la phrase ont été inversées. C'est-à-dire que le sujet, il a été évoqué après le maf'oul bihi. Normalement, j'ai un complément, j'ai un verbe, puis un sujet et enfin un complément. Mais là, on a inversé le complément et le sujet. Donc, le sujet est venu avant le complément. Et le damir, dans Rabbuhu, il revient au complément. D'accord ? Donc, la rotba a été respectée. La rotba a été respectée. Vu que le pronom, il revient au complément, et que le complément, il est avant lui dans le lafd, c'est possible. Mais pas dans la rotba. Je vois. J'adore, j'aime trop voir vos têtes quand vous comprenez pas du quoi, qu'est-ce qu'il raconte, c'est du français, c'est de l'arabe. On va prendre juste Rabbuhu et Ibrahim. D'accord ? Rabbuhu, c'est le sujet de la phrase. Vous me suivez jusqu'ici. Le damir duquel on parle ici, le pronom, il revient à Ibrahim. Et la base, c'est que le pronom vienne après son marji', sa référence. Vous me suivez toujours ? D'accord. On a dit que la base, c'est que le pronom vienne après sa référence dans al-lafd wal-rutba. Dans la phrase, dans la forme de la phrase et dans la place du mot dans l'ordre basique de la phrase. Mais dans certains cas, il est possible que le pronom précède son marji' dans le lafd mais pas dans la rutba, dans le lafd mais pas dans la rutba, dans la phrase mais pas dans le dans la place qu'il a dans la phrase. Donc Rabbuhu ici, le damir c'est le ha, il revient à Ibrahim, il est c'est le complément dans le verset, et donc La place de base, elle a été respectée. Dans la rotba, le damir, il vient après son marji'. Mais dans le lafd, c'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que les éléments de la phrase ont été inversés. Parce que si on remet les éléments de la phrase dans leur ordre basique, on dirait « وَإِذِي بَتَلَا رَبُّ إِبْرَاهِيمَ » « رَبُّ إِبْرَاهِيم » par exemple. Ou bien si on « رَبُّهُ إِبْرَاهِيم » On n'aurait pas pu dire ça. Parce que si on avait dit « وَإِذِي بَتَلَا رَبُّهُ إِبْرَاهِيم » À quoi le ha, il reviendrait ? Il reviendrait à rien. D'accord ? Taïb, t'as compris, tant mieux, t'as pas compris, c'est pas grave. وَقَدْ يَسْبِقُ رُتْبَةً لَا لَفْظًا مِثْلْ حَمَلَ كِتَابَهُ الطَّالِبُ. Et dans d'autres cas, eh bien, le pronom pourra devancer son marji' dans la rutba, mais pas dans la phrase, pas dans la forme de la phrase. Exemple, la phrase... Le Hamala Kitabahu At-Talib. Donc, apporter son livre, l'étudiant. L'étudiant a apporté son livre. Mais là, comme on a mis le Damir à Kitabahu, alors, et on a inversé les parties de la phrase, le Damir, il s'est retrouvé avant son marji' dans la Rutba. Dans la Rutba. Parce que, en vrai, ici, وَقَدْ يَسْبِقُ رُتْبَةً لَا لَفْظًا. À la kulli hal,
On va pas rentrer dans les détails, parce que si on rentre dans l'Irab, après on va se perdre. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est trois choses. La première des choses, c'est que le pronom, il revient à une référence, et cette référence-là le précédera dans l'afd wa rutba, dans la forme de la phrase et dans l'ordre des mots de la phrase. C'est ça qu'il faut garder en tête. Comme il est possible que le damir ne le précède que dans le lafd ou ne le précède que dans la rutba. Donc, le lafd, c'est la forme de la phrase. La rutba, c'est l'ordre du mot dans la phrase. L'ordre du mot dans la phrase. Hamala kitabahu at-talib. À la base, c'est quoi? C'est hamala at-talibu kitabah. C'est ça la base. On a inversé kitabahu et at-talib. On a inversé leur rutba, leur ordre dans la phrase. La base, c'est verbe, sujet, complément. On a inversé le sujet et le complément. D'accord? Et en agissant ainsi, le damir qui revient au talib, mais il s'est retrouvé avant. Il s'est retrouvé avant. Donc, comme on a inversé al-rutba, le damir, forcément, il va précéder son marji' dans la rutba aussi. Mais pas dans l'afd, parce qu'il y a un inversement. T'as lu après ou pas? Oui, t'as lu. « Wa qad yakunu mafhouman min as-siyaq » On va comprendre le damir par rapport au contexte. Des fois, comment comprendre quel est le marji' du damir, quelle est la référence du pronom auquel il est rattaché par rapport au contexte. Exemple, qawluhu ta'ala wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Tout à l'heure, quand tu as lu, tu t'es arrêté à mimma tarak. Hada waqfun qabih. Le waqf dans la lecture du Coran se divise en trois catégories. Al-qabih, al-hasan, wal-kamil. Ou bien des fois, al-hasan, il appelle le kafi. Donc si jamais tu t'arrêtes dans la lecture du verset à un endroit qui peut changer le sens, c'est un waqf qabih. Et si tu n'as pas le choix, parce que tu n'as plus de souffle, tu reviens. Maintenant, tu vas dire « Wali abawayhi li kulli wahidi minhum as-sudus mimma tarak » Tu t'arrêtes parce que tu n'as plus de souffle. Qu'est-ce que tu fais? Tu reprends en arrière. « Mimma taraka in kana lahu walad » Parce que ce qui vient après est lié à ce qui vient avant, pour ne pas couper les deux parties du verset. Donc ici, « Faddamiru ya'udu ala al-mayyit al-mafhoum » Min qawlihi. Tout à l'heure, je t'ai repris sur al-mafhoum. Al-damir, est-ce que le mafhoum ici revient al-mayyit ou bien il revient al-damir? Est-ce que le mayyit, on le comprend ou est-ce que c'est le comment il s'appelle, le pronom qu'on comprend? En fait, les deux sont possibles. Ala kulli hal, ici le pronom mimma taraka wali abawayhi et pour ses parents, pour son père et sa mère, pour ses parents, le ha, c'est donc le pronom possessif. Li kulli wahidin minhuma, pour chacun d'entre eux, as-sudus, le sixième mimma tarak, de ce qu'il a laissé, in kana lahu walad, s'il a des enfants. Donc mimma taraka, c'est un verbe, il a un sujet, même s'il n'est pas visible ici. De qui il s'agit? Il s'agit du mort. Le mort, il est mort et en mourant, il a laissé des biens. Et donc, le abawayhi, il revient à ce mort-là. Comment on a compris cela? Le contexte. C'est le contexte qui nous permet de savoir à quoi le damir, il revient ici. Et dans certains cas, eh bien, le damir ne correspondra pas forcément à son marji'. Exemple, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Et nous avons certes créé l'être humain d'une poignée de glaise, d'une portion de glaise. Puis nous en avons fait une goutte, notre fin, une goutte de sperme. Quand on dit جَعَلْنَاهُ, le ha dans جَعَلْنَاهُ, à quoi il revient? الْإِنسَانَ. Dans le verset précédent, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ. Mais ici, Allah Ta'ala, il parle de l'insan de deux façons différentes. La première, c'est Adam alayhi salam qui a été créé à partir de terre.
Et la seconde, c'est sa descendance qui a été créée à partir d'une goutte de sperme. Et pourtant, ici, le damir, il revient à l'insan qui a été créé différemment. Donc le damir, il ne va pas forcément correspondre à son marja. Même s'il revient à lui. Même s'il revient à lui. T'as pas lu le reste, hein ? Non. Attends. قال المصنف رحمه الله وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا والأصل اجتهاد مرجع الضمائر إذا تعددت مثل علمه شديد قوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فضمائر الرفع في هذه الآية تعود إلى شديد قوى وهو جبريل. حسبك. J'ai lu pendant que tu lisais, j'ai souri pendant que tu lisais. Ce que tu m'as rappelé, la lecture de Cheikh Shraim, dans ta façon de lire le Coran. Et moi, j'ai rencontré Cheikh Shraim, j'ai bu un thé avec lui. Et à l'époque, j'avais un ami qui n'écoutait que Cheikh Shraim, hafidahullah. Et je lui ai dit, Cheikh, j'ai un ami, il récite comme toi. Je me suis dit, il a dû l'entendre un milliard de fois, cette phrase-là, genre, c'est ça. Il récite comme toi. C'est ça. C'est moi qui récite comme moi, c'est pas toi. Mashallah. Cheikh Shraim. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Je dis des bêtises, après je me perds. Naam. Donc, il a dit, rahimahullah, وَإِذَا كَانَ الْمَرْجِعُ صَالِحًا لِلْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ جَازَ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَيْهِ بِأَحَدِهِمَا. Donc le pronom, le damir, lorsqu'il peut revenir à un singulier ou un pluriel, eh bien, il reviendra à l'un des deux. C'est-à-dire quand il dit salihan, c'est possible. Ce qui veut dire que dans certains cas, c'est pas possible. Exemple. Ici, il dit, comme exemple, « وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا » Et quiconque croit en Allah et accomplit des actions vertueuses, « يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ » Il le fera rentrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Donc ici, on a deux termes qui pourraient revenir, auxquels pourrait revenir le damir. Le damir, c'est ce qui vient après. Khalidin fiha abada. Khalidin. Ici, on a le pronom du pluriel. Il n'a pas dit Khalidan. Il a dit Khalidin. Et dans le Coran, dans certains versets, très rarement, c'est quelque chose qui est assez rare, on a Khalidan. Notamment quand Allah Ta'ala il parle de celui qui tue un croyant volontairement. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Il n'a pas dit خَالِدِينَ فِيهَا. خَالِدًا فِيهَا. C'est que lui qui aura ce châtiment-là. Mais sinon, en général, خَالِدِينَ, c'est au pluriel. Maintenant, quand on a خَالِدِينَ ici, avec le pronom du pluriel, à qui il revient ce pronom-là? Donc on revient en arrière. On a وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ. Le ha de يُدْخِلْهُ, il revient au fa'il de يُؤْمِنْ. Au fa'il de يُؤْمِنْ. Et خالدين, lui, revient à مَنْ. Parce que مَنْ, il peut aussi autant indiquer une personne que plusieurs. D'accord ? Il peut autant indiquer une personne que plusieurs. Donc, men hadihi, elle peut indiquer une seule personne. Et d'ailleurs, c'est la base, parce qu'après, il a dit yu'min, il n'a pas dit yu'minu, et il a dit yudkhilhu, il n'a pas dit yudkhilhum, et pourtant, après, il a dit khalidin. Parce que comme men yahtamil al-ifrad wal-jam'a, jaza, audu al-damiri, ila ahadihima. Donc comme man, c'est un terme qui inclut autant le sens du singulier que du pluriel, alors on pourra utiliser un pronom en singulier qui reviendra à lui, comme on pourra utiliser un pronom au pluriel qui reviendra à lui. Les deux seront possibles, comme c'est le cas dans
Le verset d'ailleurs après Allah il finit en disant qad ahsanallahu lahu rizqa. Donc il a mis entre les deux singuliers un pluriel. Yu'min, yudkhilhu, puis lahu, qui sont tous les trois des pronoms au singulier. Et entre lesquels il a mis khalidin, il a mis un pluriel, pour montrer que man, il peut autant indiquer une seule personne que plusieurs. Et voilà, si quelqu'un ne connaît pas ces règles-là, il va lire le Coran, dans le cas, dans l'occurrence où il aurait un minimum d'arabe, il dirait, attends, je ne comprends pas. Pourquoi il a dit Khalidin alors qu'il a dit Yu'min, il a dit Lahu. Il a dit Yudkhiluhu, et il a dit Lahu. Et justement, c'est ça le but de ce chapitre-là, c'est de comprendre les règles qui nous permettent de savoir s'y retrouver lorsqu'on lit le Coran. Autre règle, wal aslu ittihadu marji'i dhamairi idha ta'addadat. Donc, encore une fois, la base, c'est que lorsque j'aurai plusieurs fois, j'aurai plusieurs pronoms qui vont se suivre, eh bien, c'est qu'ils reviennent au même marji', quand ces pronoms sont les mêmes. Donc, quand j'aurai le même pronom qui se répétera successivement, la base, c'est qu'ils reviennent à la même référence. L'exemple, les quelques versets de surat Najm, 5 versets, « Allamahu shadidul quwa » ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. Donc ici, tous les pronoms, ils reviendront à Shadid al-Quwa. Et qui est Jibril alayhi salam. Et al-Quwa, c'est le pluriel de Quwa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une force énorme, mais il a des forces énormes. Alayhi as-salam. Donc, ذو مرة فاستوى. Ici, les pronoms, ils seront soit cachés, soit apparents. فاستوى, أي هو. وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا, أي هو. فتدلى, هو. فكان هو قاب قوسين أو أدنى. فأوحى هو إلى عبده ما أوحى. Donc, tous les pronoms ici reviendront à une seule et même référence, c'est Shadidu Al-Quwa. Donc quand on a une succession de pronoms qui sont les mêmes, qui indiqueront un absent, par exemple ici, en l'occurrence au masculin, ils reviendront tous au même marji', ils reviendront tous au même, à la même référence. Après, il y a une divergence, c'est par rapport au dernier verset. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. Il a révélé à son esclave ce qu'il a révélé. Donc si on dit fa'awha, il a révélé que le sujet, le huwa qui est mudmar, qui est caché, ça revient à Jibril, alors obligatoirement, abdihi, le damir ne viendra pas à Jibril. Il viendra à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le rasoul, ce n'est pas l'esclave de Jibril, c'est l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on dit ici qu'à partir de fa'awha, c'est plus Jibril, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a abdihi, le haï reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Donc, encore une fois, c'est le genre de verset dans lequel il faut réfléchir pour savoir de qui il s'agit. Et c'est dans ce genre de verset-là qu'on aura des divergences chez les mufassirin. Et d'ailleurs, dans le Coran, on a beaucoup de divergences sur iwad ou aoudou ad-damir. À qui le pronom il revient ? Et parmi les versets les plus problématiques à ce sujet-là, al-A'raf. Dans l'A'raf. Quand Allah Ta'ala il dit وَنَادَ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. À qui il parle? مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. Votre regroupement ne vous a servi à rien et vous ne faisiez pas preuve d'orgueil. Une supposition en disant que ma est nafia, indique la négation. Mais ça peut aussi être mausoula, ça peut aussi être un pronom relatif. Walladhi kuntum tastakbirun. Premier cas. Donc soit il s'adresse aux gens du paradis, soit il s'adresse aux gens de l'enfer, ou soit c'est pas Ashabul A'raf qui parle. Les trois sont possibles. Puis après, أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ. Qui parle? Et à qui il parle? Ça, c'est des questions là-dedans très, problématiques, parce que justement, il est difficile de déterminer
à qui le pronom revient. Que ce soit pour celui qui parle ou pour celui à qui on parle. Et al-muhim, donc c'est pour ça que ce genre de versets sont des versets dans lesquels il y a beaucoup de divergences dans le tafsir. Et quand tu connais ces règles-là, tu comprends pourquoi ils ont divergé autant, surtout quand tous les sens sont possibles. Il y a un ihtimal pour chacun des sens donnés. والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين تبلوسا أبازيلنا. أي فول اللي جاوبت فانس ماشي. أنا ما زي زي. قال المصنف رحمه الله والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأنه نتحدث عنه. مثال الأول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ومثال الثاني Autre règle, c'est que le pronom revienne dans le cas où on aurait plusieurs références possibles avant, que le pronom revienne au dernier qui a été, à celui qui est le plus proche de lui. Il a akrabi medkur. C'est la base. Et encore une fois, quand on dit c'est la base, ça veut dire que des fois ça ne sera pas respecté. Mais c'est la base. Sauf, il a dit, fil mutadayifayn. Quand il dit le mutadayifayn, il parle du mudaf ou le mudaf ilayh. Quand on a un mudaf et un mudaf ilayh, alors, le plus proche du damir, c'est le mudaf ilayh. Mais là, ce ne sera pas à lui que le damir reviendra. Malgré le fait qu'il sera le plus proche de lui. Il reviendra au mudaf, qui est avant le mudaf ilayh. Exemple du premier. قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. Nous donnâmes à Moussa le livre et nous fîmes de lui وجعلناه هدى, une guidée pour les fils d'Israël. Donc le damir ici, est-ce qu'il revient à Moussa ou est-ce qu'il revient au kitab? La base, c'est que le damir revient au référent qui lui est le plus proche. Et le plus proche de lui, c'est le kitab. Donc on dira wa ja'alnahu, et on a fait de lui Ali du livre. Même si on pourrait dire que c'est Moussa, laquelle ici, la base, c'est qu'on revienne au plus proche, c'est-à-dire le livre. Il a dit l'exception, c'est dans al-mutadayifayn, le mudaf et le mudaf ilay. Donc si on prend la qaïda, dans la phrase, dans l'ordre, le damir, il sera plus proche du mudaf ilay que du mudaf. Et pourtant, dans ce cas-là, exceptionnellement, le damir reviendra au mudaf, parce que c'est de lui qu'on parle. قوله تعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Donc si vous dénombrez si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne les dénombrerez pas. Donc le ha dans tuhsuha, il revient pas à l'afdul jalala, Allah, malgré le fait qu'il lui est le plus proche, mais il revient à ni'mat. Hein, on dit ni'mat ici parce qu'il se finit par un ta maftouha. Et d'ailleurs, dans Jazariya et d'autres moutons dans le tajwid, on nous dit que quand le mot il se finit par un ta maftouha, on s'arrête dessus. Contrairement à celui du ta maftouha. Parce que dans le Coran, il y a des mots qui s'écrivent des fois avec le ta maftouha, des fois avec le ta marbouta. Comme rahma, ni'ma, on a rahmat. Ni'amat. Et dans ce cas-là, ni'amat Allah, le ta, il est meftouh. Donc tu diras, si jamais tu t'arrêtais, tu ne dirais pas ni'amah, tu diras ni'amat. Taïb. Wa in ta'uddu ni'amat Allah, la tuhsuha. Donc si on faisait le i'rab, on dira ni'amat Allah, c'est maf'oul bihi, mansoub bil fi'li, wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirihi, lianahu ismul mufrad, wa huwa mudaf. Wa ismul jalalah, مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. Donc le mudaf, c'est à lui que le pronom reviendra, même s'il est plus éloigné du damir que le mudaf ilayh, parce que c'est de lui qu'on parle. La preuve, c'est l'accord en genre et en nombre du pronom. Il a dit tuhsuha et ni'mat, il est au féminin, donc on a mis un pronom au féminin. وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه. T'as lu ça ou pas? Tu l'as pas lu. وقد يأتي, donc il est possible dans certains cas que le damir ne revienne pas à l'élément
le plus proche. Mais il y aura toujours une preuve qui nous permettra de savoir à qui il revient. Moi, je regardais dans le chat, s'il avait donné un exemple, il n'a pas donné d'exemple. Sur le cas où le damir reviendrait à autre chose que l'élément qui est le plus proche de lui. Non, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Tu vois, je voulais finir aujourd'hui. Eh bien, comme d'habitude, j'ai pas pu. Pourtant, il reste pas beaucoup. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue? Attends. Al-Fasl, Al-Iltifat. Il est 11h30, ça fait 46 minutes. Zid Al-Idhar fi mawqi' Al-Idhmar, on verra après, Inch'Allah. Fasl Al-Idhar fi mawqi' Al-Idhmar. Fi mawqi' ou mawqi' عندك? ماشي موضع خلاص. فصل الإظهار في موضع الإضمار. الأصل أن يؤتى في، قال المصنف رحمه الله، الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبيان للمعنى وأخصر لللفظ، ولهذا ناد الضمير في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما عن عشرين كلمة المذكورة قبله، وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار. حسبك. Donc là l'auteur il nous parle du fait de mettre en apparence quelque chose qui en temps normal devrait être caché. Donc la base c'est que le pronom donc soit utilisé quand on en a besoin. Comme on a donné tout à l'heure l'exemple avec le long verset où Allah il cite 10 catégories d'acteurs, de personnes qui accomplissent des actions vertueuses. Il y a les muslimines, les muslimates, les mu'minines, les mu'minettes, il y a l'akhiri l'aya. Puis à la fin, il a dit « A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima ». Il a dit « lahum » pour eux. Il a employé le pronom. Parce que c'est plus court dans la forme de la phrase. « Wa huwa abyan lil ma'na » et montre plus le sens. Et pourtant, des fois, au lieu de prendre le damir, on prendra à la place le nom auquel il était censé revenir. Et dans ce cas-là, lorsqu'on emploiera le nom à la place du damir, alors qu'à la base on aurait employé le damir, pour les raisons citées, comme quoi ça montre plus le sens et ça réduit la taille de la phrase, on appelle ce cas-là al-idhar fi mawqi' ou mawdi' al-idmar. Donc on va utiliser le nom apparent, le nom classique, à la place du pronom, alors que, en temps normal, on aurait utilisé un pronom. Ça, c'est la base. Après, l'auteur il va expliquer pour quelles raisons on va préférer l'emploi du nom à la place du pronom, alors que la base aurait été d'employer le pronom. Tadda. قال المصنف رحمه الله وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق منها أولا الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر ثانيا بيان عنة الحكم ثالثا عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر مثال ذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين لا تقف وميكال فإن الله وميكال فإن الله عدو للكافرين ولم يقل فإن الله عدو له فأفاد هذا الإظهار أولا الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ثانيا أن الله عدو لهم لكفرهم ثالثا أن كل كافر فالله عدو له مثال آخر قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين
ولم يقل إن إنا لا نضيع أجرهم فأفاد ثلاثة أمور. أولا الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة. ثانيا أن الله آجرهم لإصلاحهم. ثالثا أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى. وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما، والمراد أحدهما مثل اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين. حسبك. Après l'auteur donc il parle des فوائد des leçons, des intérêts qu'il y a dans le fait de citer le nom à la place du pronom. Il y en a plusieurs. Parmi ces fawaïd, ces intérêts, premièrement, le fait de mettre en évidence le jugement en fonction du nom qui est donné. Donc on va choisir de nommer, plutôt que de prendre un pronom à la place, pour mettre en évidence le jugement qui revient à lui. Deuxièmement, la mise en évidence de la cause du jugement. Et troisièmement, la généralité pour toute personne qui rentre dans le nom donné. Exemple. قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Quiconque est l'ennemi d'Allah et de ses anges et de ses messagers et de Djibril et de Michael, alors Allah est l'ennemi des mécréants. Donc ici, il a dit « lil kafirin ». Et il n'a pas dit « lahum ». Il n'a pas employé le pronom qui reviendrait donc à celui qui est cité avant cela. Pourquoi il a préféré employer le nom plutôt que le pronom? Pour les trois raisons données précédemment. La première, mettre en évidence le jugement. Donc ici, c'est un nom qui indique le jugement. Donc celui qui est l'ennemi d'Allah et de ses anges et de Jibril et de Michael et de ses messagers, c'est un kafir. Parce qu'il a employé le mot « lil kafirin ». Et s'il avait dit « fa'inna Allah adouul lahum », on n'aurait pas su quel est leur jugement. Deuxièmement, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala sera leur ennemi pour leur mécréance. Bayanu illatil hukm. Mettre en évidence la cause du jugement. Donc le jugement, c'est leur mécréance parce qu'ils ont pris en ennemi Allah, ses anges, ses messagers et Jibril et Michael. Et donc, Allah deviendra leur ennemi pour cette mécréance-là. Troisièmement, c'est la généralité visée dans l'emploi du nom. Lil kafirin. D'accord ? C'est un ismo al-fa'il, mu'arraf bi-al, fayufidu al-umum. Donc c'est un nom d'acteur précédé par l'article défini. Il indiquera donc la généralité. En gros, Allah sera l'ennemi de tous les mécréants. D'accord ? Donc ici, l'emploi du nom à la place du pronom a apporté des sens qu'on n'aurait pas eu si on avait employé le pronom à la place. S'il avait dit « Fa'inna Allah adouun lahum », on n'aurait pas su quel est le jugement de ceux qui prennent Allah comme ennemi, et ainsi que ses anges, et ainsi de suite. On n'aurait pas su pourquoi Allah est leur ennemi, et on n'aurait pas eu de généralité. On n'aurait pas pu dire que ça s'applique à tout le monde, vu qu'on ne sait pas quel est leur jugement. Donc l'emploi du nom ici était plus approprié. Autre exemple, le verset dans l'A'raf où Allah dit subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. Ok, ce يُمَسِّكُونَ, vous avez le signe avec une shadda. Pourquoi on a cette shadda? Parce qu'à la base c'est يتمسكون. Et on a inclus, on a fusionné le ta avec le signe. Et d'où la shadda du signe يُمَسِّكُونَ.
Bil kitabi wa aqamus salah. Donc ceux qui se cramponnent fermement au livre, wa aqamus salah, et s'acquittent de la prière, inna la nudi'u ajra al muslihin. Certes, nous ne gâchons pas la récompense des réformateurs. Al muslih, à ne pas confondre avec as-salih. As-salih, c'est le vertueux, celui qui fait du salah. Et al-muslih, c'est le réformateur, celui qui yuslih. Et le muslih, il est meilleur que le salih. Parce que le salih, il s'occupe de lui, al-muslih, il s'occupe des autres. Et toute action dont l'impact se répercutera sur autre que celui qui l'accomplit, sera meilleure que l'action dont l'impact ne se répercutera que sur celui qui l'accomplit. Qaïda. Donc, inna la nudi'u ajra al-muslihin. Donc, la base, ça aurait été de dire ajrahum, leur récompense. Mais Allah Ta'ala a préféré l'emploi du nom à l'emploi du pronom, pour les trois raisons citées précédemment. Donc, celui qui s'accroche, qui se cramponne fermement au livre et accomplit la prière, c'est un muslih. C'est un muslih. S'il avait dit ajrahum, on n'aurait pas su ce qu'ils sont. Deuxièmement, c'est qu'Allah Ta'ala va les récompenser pour leur islah, pour le fait, pour la raison qu'ils sont des muslihin. Et enfin, tout muslih aura le droit à une récompense auprès d'Allah qui ne sera pas gâchée. Donc là, toi quand tu lis le Coran, tu vas faire attention au passage où il y a des pronoms. Et pareil, quand tu as un minimum d'arabe, tu seras aussi interpellé par la présence d'un nom dans un contexte où, en temps normal, on aurait mis un pronom. Et à ce moment-là, maintenant que tu connais la règle, tu vas plus t'intéresser au nom et te dire, ah bah tiens, si Allah il a mis le nom ici à la place du pronom, c'est pour montrer le jugement, c'est pour montrer la cause et c'est pour montrer la généralité. Al-hukm, al-illa, wal-umum. Al-hukm, al-illa, wal-umum. Et dans certains cas, eh bien, il est obligatoire de citer un nom plutôt qu'un pronom pour éviter al-wahm, pour éviter la confusion. Ça veut dire que si j'ai un pronom qui pourrait revenir à deux éléments cités précédemment, pour ne pas que les gens comprennent mal ce que j'ai voulu dire, je n'utiliserai pas le pronom, je répéterai le nom. L'exemple qu'il donne, c'est une invocation qu'on dirait. On dirait « Allahumma aslih lil muslimina wulata umurihim ». Donc on demandera à Allah de réformer, d'améliorer pour les musulmans ceux qui sont à la tête de leurs affaires. On est leur gouverneur. « Wa bitanata wulati umurihim ». Al-bitana, c'est la compagnie proche. Et il n'a pas dit « wa bitanatahum », leur compagnie proche, pour ne pas que quelqu'un croie qu'il demande à Allah d'améliorer la compagnie proche des croyants, des musulmans. Non, ici on parle de la compagnie proche des gouverneurs, de ceux qui sont à la tête de leurs affaires. Alors, on a répété « wulata umurihim » plutôt que d'employer le « damir » pour ne pas qu'il y ait une confusion, pour ne pas que les choses soient mal comprises. Donc, on comprend à travers cela que dans certains cas, il est préférable de citer le nom à la place du pronom. Et dans certains cas, c'est obligatoire. Ce sera obligatoire pour éviter la confusion. Et ce sera préférable pour mettre en évidence le jugement, la cause du jugement et la généralité du jugement sur celui qui est évoqué. Zid. قال المصنف رحمه الله ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع منفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا وقوله وإنا لنحن الصافون وبضمير المخاطب كقوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم وبضمير الغائب كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون وله ثلاث فوائد ثلاثة
لكن لا صحيح عندي ثلاثة لكن هذا خطأ وله ثلاث فوائد وله ثلاث فوائد الأولى التوكيد فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك الثانية الحصر وهو اختصاص ما قبله بما بعده فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح الثالث الفصل أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل نعم ضمير الفصل donc là encore une fois il faut un minimum de connaissances en langue arabe pour comprendre ce chapitre-là, même s'il n'est pas compliqué à la base. Damir al-Fasl, c'est un harf. C'est pas un damir. C'est pas un nom. Donc, en arabe, on divise les composants de la phrase en trois catégories. Al-ism, al-fi'l, al-harf. Le nom, le verbe et le harf. Pour ne pas rentrer dans la traduction du harf, parce qu'il n'y a pas de traduction pour le harf. En gros, soit on a des noms, soit là des verbes, soit là des mots qui sont nous des noms et des verbes. C'est un harf. On a harful mabani, les lettres qui servent à construire les mots, et harful ma'ani, les lettres qui servent à lier les noms et les verbes. Et le damir, à la base, c'est un nom. À la base, le damir, c'est un nom. Anahu, anta, il akhiri, ce sont des noms. Mais ce damir-là, dans la phrase, il ne sera pas un nom, il sera un harf. C'est pour ça que dans l'i'arab, on dira « La mahalla lahum nal i'arab ». La yu'arab. C'est un harf. Il a dit « Harf bisirati damir al-raf'i al-munfasil ». C'est un harf qui a la forme de damir al-raf'i al-munfasil. Du damir qui prendra la place du sujet et qui sera séparé du mot auquel il est lié. On a dit tout à l'heure que soit le damir il est muttasil, il est lié, soit il est munfasil, il est séparé. Premièrement, c'est un damir munfasil, séparé dans la phrase. Deuxièmement, c'est un damir al-raf'a, c'est un pronom qui prend la place du sujet, ce qui exclut damir al-nasb ou bien damir al-jar, le pronom qui prendra la place du complément d'objet direct ou indirect. Et ce damir-là, ce harf, yaqa'u bayna al-mubtada'i wal-khabar, il se trouvera entre al-mubtada' wal-khabar, qui sont les piliers principaux de la phrase nominale. Il sera entre les deux. À une condition, c'est que ces deux piliers-là soient tous les deux définis. Ma'rifatayn. Donc le mubtada il est toujours défini, contrairement au khabar. Et il se trouvera entre les deux, à condition que les deux soient ma'rifa. Et ce harf aura soit la forme du pronom du locuteur, ana, ou nahnu, donc moi ou nous, je ou nous, pardon, locuteur au singulier ou au pluriel, comme dans le verset wa innani ana Allahu la ilaha illa ana. Donc le ana, le premier, innani ana Allah, c'est damir al-fasl. Et ici, il a la forme du pronom de la première personne du singulier, du locuteur. Ou l'autre verset wa inna la nahnu safun wa inna la nahnu. Nahnu ici c'est damir al-fasl aussi, et c'est la première personne du pluriel, nous. Et c'est pas un pronom, si c'est damir al-fasl, un harf. Ou encore, il peut avoir la forme de l'interlocuteur, comme dans le verset kunta anta raqiba alayhim. C'est toi qui étais celui qui les surveillait. Donc anta, dans ce verset, c'est un damir al-fasl. Il est entre le mubtada wal khabar. Et il peut aussi prendre la forme du pronom qui désigne l'absent huwa, ou hum, ou laika, humul muflihun. Voici ceux qui sont les victorieux. Donc on a ana dans innani anallah, on a nahnu inna la nahnu safun, on a anta kunta anta raqiba et on a ulaika hum hum ul mufli hum pardon dans ulaika hum ul muflihun. Et vous remarquez
que dans toutes ces phrases-là, eh bien, le motod al-khabar, ils sont ma'rifa. Ils sont définis. Innani, donc c'est le damir, le mubtada, et il est défini. Ismul jalala, Allah, a'raful ma'arif, comme il dit Sibawaye. Inna la nahnu safoun, donc le na, le mutakallimin, c'est le mubtada, c'est un damir, il est ma'rifa. As-safoun, il est ma'rifa bil alifi wal lam. Kunta anta al-raqiba, ismu kana, c'est le damir, il est ma'rifa. Al-raqiba, c'est le khabar, il est ma'rifa. Plus j'avance et plus je vous perds. Oulaïka humul muflihoun. Donc oulaïka, c'est le mubtada, il est ma'rifa. Et al muflihoun, il est ma'rifa. Le sil khabar, il est ma'rifa bil alifi wallab. Et donc la présence de ce damir, al fasl, de ce harf, a trois intérêts. Premièrement, al tawkid. Sa présence sert à confirmer le sens. Quand tu diras Zaydoun huwa akhouk, Zaydoun c'est ton frère, c'est plus que Zayd est ton frère. D'accord ? C'est plus fort dans la confirmation du sens. Premier intérêt à la présence de ce harf, la confirmation du terme, du sens. Deuxièmement, al-hasr, al-ikhtisas, l'exclusivité. Ça veut dire que c'est seulement le khabar qui sera concerné par. C'est seulement ce mubtada qui sera concerné par le khabar, ce qui exclut tout le reste, al-ikhtisas. Comme quand tu dis al-mujtahid huwa an-najih, seul le mujtahid, celui qui fournit des efforts, sera celui qui réussira. Ou bien dans le verset précédemment cité, ulaika humul muflihun la ghayruhum, ce sera seulement eux qui gagneront, pas autrui. Donc al-hasr, al-ikhtisas, c'est l'exclusivité. Troisième intérêt, al-fasl, yani la distinction. Parce que si on enlevait ce damir, ce harf, il y aurait une confusion. Parce qu'il est possible que ce qui vient après le mubtada, yani le khabar, quand il est nakira, il peut autant être khabar que sifa, que na'at. Il peut être adjectif. On peut le comprendre ainsi. Si je dis Zaydoun al-Fadil, celui qui m'écoute, il peut attendre un khabar, parce que ça peut être un adjectif. Si je dis Hamza le grand, et je m'arrête, on peut se dire qu'on a voulu définir Hamza comme étant le grand, ce sera le khabar, ou bien on peut se dire que Hamza le grand, puis on attend quelque chose. Qu'est-ce qu'il a, Hamza le grand ? Non, c'est tout. Hamza le grand. Ah, d'accord. Donc, il y a une supposition que ce soit l'un ou l'autre. En mettant le damir al-fasl, Hamza huwa al-kabir, ou bien Zaydun huwa al-fadil, cette confusion disparaît. Parce que le damir, il l'enlève et il ne laisse plus de place à cette éventualité. Donc, damir al-fasl, il a cette importance-là dans le Coran. Et dans la langue arabe en général. Allez, vas-y, on va finir. Fasnoun al-iltifat. La taqoul al-iltifat. Qoul al-iltifat. Fasnoun al-iltifat. Naam. Al-iltifat tahwil usloub al-kalam min wajhin ila akhar. Wa lahu suwar minha. Awalan. الالتفات من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أين الشريم؟ واصل. فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. ثانيا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم وجرينا بدون مد وجرينا بهم وجرينا بهم قد عاد الشريم واصل. فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرينا بهم ثالثا
الانتفاة من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وبعثنا وأعد منهم 12 اثني منهم 12 نقيبا نعم. فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا. رابعا الانتفاة من التكلم إلى الغيبة قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك. وللالتفات فوائد منها. أولا حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه. ثانيا حمله على التفكير في المعنى لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب. نعم. ثالثا دفع السماء السآمة. ثالثا دفع السآمة والملل عنه لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. وهذه الفوائد عامة للانتفاة في جميع صوره. أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صوره حسب ما يقتضيه المقام. حسبك. Dernier chapitre du livre, al-iltifat. Donc si on traduisait littéralement al-iltifat, c'est le fait de se retourner. Mais bien entendu, ce qui est voulu ici, c'est un sens propre à la langue arabe. C'est le fait de changer le style expressif en passant d'une forme à une autre. Et cet iltifat, il a plusieurs formes. Parmi ce changement donc de style expressif, il a plusieurs formes. Et là, généralement, donc comme c'est un sous-chapitre de la partie réservée au damir, au pronom, eh bien, on parlera de l'iltifat en rapport avec le pronom. Première forme d'iltifat, c'est de passer du pronom de l'absent au pronom de l'interlocuteur. On a ça dans le Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Donc ici, le pronom, il indique quelqu'un d'absent. Comment on peut prétendre cela? Tout simplement par l'absence de pronom indiquant le locuteur ou l'interlocuteur. Donc forcément, c'est que celui dont on parle n'est pas là. Donc c'est ici. Après, on passe au quatrième verset. Iyaka. Donc si on était resté sur la base, on aurait dit Iyahu na'abudu wa Iyahu nasta'in. Vu qu'on ne s'est pas adressé à lui directement depuis le début. Et au quatrième verset, Iyaka na'abudu wa Iyaka nasta'in. On est passé de l'absent au présent à celui à qui on s'adresse. Et les ulama, ils ont déduit de cela une faïda azima. C'est que plus on évoque Allah, plus il est présent, plus sa présence se fait ressentir à celui qui l'évoque. C'est comme ça. Et c'est donc dans ce sens-là qu'on arrive justement à maqamul ihsan, c'est d'adorer Allah comme si on le voyait. Et pour arriver à ce maqam, à ce degré-là, kathratul dhikr. C'est pour ça que الذاكرين الله كثيرا والذاكرات, ils ont ce statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith sabaqa, al-mufarridun, ils ont devancé les autres. Ils ont dit, madame ya Rasulallah, qala الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. Ceux qui évoquent Allah beaucoup, hommes et femmes. Et il y a un hadith, on a demandé au prophète, c'est quoi le meilleur jihad? Il a dit, aktharuhum dhikra lillah, ou man afdalul mujahidin, qala aktharuhum dhikra lillah, qalu man huwa أفضل المصلين أكثرهم ذكر لله وأفضل الصائمين أكثرهم ذكر لله وأفضل الحاج الحاجين أكثرهم ذكر لله إلى آخر الحديث. Après أبو بكر إلى جاء عمر سبق الذاكرون لله كثيرا إلى أو كما قال. Donc on a demandé au prophète, c'est lequel de ceux qui font le jihad le meilleur?
celui qui évoque le plus Allah. Et c'est que qui parmi ceux qui font la prière sont les, est le meilleur? Celui qui évoque le plus Allah. Et ceux qui, parmi ceux qui jeûnent, lequel est le meilleur? Celui qui évoque le plus Allah. Et le pèlerinage, et ainsi de suite. Chaque fois, celui qui évoque le plus Allah, c'est le meilleur. Chaque fois. Et plus tu évoques Allah, plus tu ressentiras sa présence. Et tu passes de son évocation avec le pronom de l'absent à son évocation avec le pronom du présent. Et dans Adab al-Dua, tu commences par louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu le loueras, plus tu sentiras sa présence. Puis après, tu t'adresses à lui. Allahumma a'atini, Allahumma irhamni, Allahumma irfirli. Tu t'adresses à lui directement. Deuxième type d'iltifat, c'est le fait de passer à l'inverse du pronom de l'interlocuteur au pronom de l'absent. Exemple, حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ. Jusqu'à ce que vous soyez فِي الْفُلْكِ, dans le bateau, وَجَرَيْنَ بِهِمْ. Pourquoi que je t'ai repris sur le na, pour ne pas qu'on le confonde avec le na de nahnu. Na avec le alif, c'est nahnu. Na sans le alif, c'est hun. Et le nun ici, il revient au al-fulk. Et le fulk, dans le Coran, c'est le seul mot qui a la même forme au pluriel et au singulier. Au pluriel et au singulier, on dira fulk. Quant au mot aflak, c'est le pluriel de falak, pas de fulk. Ala kulli hal, wa jarayna bihim. Donc jarayna, il revient au bateau, al-fulk. Et bihim, il revient à kuntum, à vous. Donc on est passé de vous à eux. Wajaraina bihim. Pourquoi? Parce qu'au départ, on s'adresse à quelqu'un en particulier et on les rattache à une chose qui ne les concerne pas que eux, mais d'autres aussi. Alors on est passé du pronom de l'interlocuteur au pronom de l'absent pour englober tous les autres et ne pas qu'on puisse comprendre que ce qui va suivre ne les concerne que eux, mais concerne tout le monde, même ceux à qui on ne s'adressait pas au départ. Soumakal, troisième type d'iltifat, le fait de passer du pronom de l'absent au pronom du locuteur, de celui qui parle. Comme dans le verset où Allah Ta'ala dit « Wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Israïla wa ba'athna minhum uthnay ashara naqiba. » Wa laqad akhadha Allah. Donc ici on a le sujet du verbe Ismul Jalala, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un pronom. Puis après on est passé du nom Zahir au pronom du locuteur Waba'athna, et nous avons envoyé parmi eux 12 élus. On est donc passé de l'absent au présent en changeant le pronom. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثَ اللَّهُ مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَبَعَثَ مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. Mais lui, il a préféré employer le pronom وَبَعَثْنَا. Et pourquoi il a employé le pronom du pluriel ici? Pour indiquer la grandeur de celui qui a accompli l'action, ou la grandeur de l'action, ou la grandeur de l'action. Donc il y a toujours une faïda, il y a toujours un intérêt dans le changement de pronom. Ça ne se fait pas comme ça sans raison. Il y a toujours une raison. Quatrième type d'iltifat, c'est le fait de passer du locuteur à l'absent. Comme dans Al-Kawthar, « Inna a'tayunaka Al-Kawthar, fasalli li rabbik. » Donc au début, c'est « Inna, nous t'avons donné Al-Kawthar, prie alors ton Seigneur. » Il n'a pas dit « Fasalli lana » C'est « Fasalli li rabbik. » Fasalli li rabbik. Prie ton Seigneur. Et donc il est passé du présent du locuteur à l'absent en changeant donc le pronom par le nom al-dhahir. Puis l'auteur rahimahullah, il cite des fawa'id, des intérêts dans ce changement de style et de pronom dans la même phrase. Premièrement, ça pousse l'interlocuteur, celui à qui on s'adresse, donc le lecteur entre autres, à être attentif. Quand il voit que le style d'expression change, ça doit attirer son attention et ça doit susciter chez lui l'envie de savoir pourquoi
on a changé de pronom ou de nom. Deuxièmement, donc après avoir attiré ton attention, tu dois réfléchir. Si on a changé de pronom ou de nom en cours de route, c'est forcément pour une raison. Donc déjà, tu dois le remarquer. Ensuite, tu dois réfléchir à la raison pour laquelle cela a été fait. Troisièmement, daf'u as-sa'amati wal malal. As-sa'ama, c'est l'ennui. Et al-malal, c'est la lassitude. Parce qu'en général, quand dans une phrase, on parle toujours de la même personne de la même façon, ça peut faire naître l'ennui ou la lassitude chez celui qui va écouter ou qui va lire ce qui est dit. Alors qu'en changeant de pronom ou en remplaçant le pronom par un nom ou l'inverse, eh bien, là, on sera toujours aux aguets, toujours attentif, toujours en train de réfléchir à la raison pour laquelle on a changé de style, et donc on ne s'ennuiera pas et on ne se lassera pas. Et ces trois intérêts cités sont généraux, pour tous les types d'iltifat qu'on a cités jusqu'à présent. Quant aux intérêts particuliers qu'il y a dans chaque iltifat, il faudra revenir au contexte de chaque exemple en fonction du contexte. Donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas étalé dans la raison pour laquelle on a changé de pronom dans les différents exemples donnés, sinon ça va prendre trop de temps, et ça on en a déjà parlé dans nos cours de tafsir respectifs. Yalla, ikhtim al-majlis, barakallahu fik. قال المصنف رحمه الله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تم ولله الحمد رب العالمين بارك الله فيكم. La question. Oui, Elias. Ah hein. Aïe. Non, c'est pas nécessaire quand le sens il est clair. C'est-à-dire que est-ce que quand le damir il va précéder son marji' dans le rotba, est-ce qu'on doit remettre les mots dans la phrase? Si ça peut t'aider à retrouver à qui le damir il revient, oui. Mais c'est pas nécessaire. Généralement, c'est simple. Oui, bref. Normalement, il ne fera pas notre récompense. Enfin, qu'est-ce qu'il entend par gâcher? Qu'est-ce qu'Allah il entend par gâcher quand il dit ne pas gâcher la récompense de l'muslihin? C'est-à-dire qu'elle sera donnée complètement. D'ailleurs, on a une précision dans le verset que vous connaissez tous. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ أَوْ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ أي غَيْرُ مَقْطُوعٌ أَوْ غَيْرُ مَنْقُوسٌ. Ils auront une récompense qui ne sera pas interrompue dans le temps et qui ne sera pas diminuée. Elle sera complète. Donc quand on dit « Inna la nudi'u ajra al-muslihin », c'est que leur récompense, elle sera complète. Elle ne sera pas gâchée. En gros, soit ils n'ont pas à craindre d'avoir œuvré correctement sans avoir de récompense. Allah récompense ceux qui œuvrent. Et ils n'auront pas à craindre que la récompense qu'ils obtiendront ne soit pas à la hauteur ou supérieure, c'est le cas, à l'action qu'ils ont accomplie. Elle ne sera gâchée en rien. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc الحمد لله on a fini le kitab. Comme je vous l'ai dit, je pense que demain on va lire dans la Mimiyad Ibn Qayyim rahmatullahi alayh par rapport au Hajj. Et le samedi prochain ce sera l'Eid, donc il y aura pas cours. Par contre, comme on le verra demain inchallah dans le madhab, at-ta'rif mustahab. C'est quoi at-ta'rif? C'est le fait de rester à la mosquée, de dhuhr jusqu'à le maghrib, pour faire du dhikr, des du'as, lire le Coran. Donc je suis encore en train d'y réfléchir pour le vendredi soir après l'asr, parce que je ne pense pas qu'en une assise on finira le mimiya, peut-être vendredi soir après l'asr, inshallah, ou bien après le jumu'a pour ceux qui pourront, consacrer une assise pour finir le mimiya. Peut-être une assise après le jumu'a et une autre après l'asr, si Allah nous le permet. Comme ça, Inch'Allah, on l'aura fait entièrement avant le jour de l'Aïd. Comme ça, on se mettra dans l'ambiance du pèlerinage, parce que dedans, comme je vous l'ai dit, il y a des vers de poésie écrits par Ibn al-Qayyim dans la description du pèlerinage et des pèlerins qui valent vraiment le détour. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.